Jean de La Fontaine, le renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami le bouc, des plus hautes encornées. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc « Que ferons-nous, compère? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. » Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur, le long de ton échine je grimperai premièrement, puis sur tes cornes mets le vent, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai. Après quoi je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurai jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui faites un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts. Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin.